Retrouve toutes les histoires de Je suis bien sur le podcast disponible sur ta plateforme favorite et sur la chaîne YouTube. Tadoum. J'ai retrouvé un très vieux livre qui raconte la véritable histoire du Grinch ou comment il a volé Noël. Laisse-moi te lire cette étrange histoire. Comment le Grinch a volé Noël ? Les habitants de Chouville aiment tous fêter Noël. Mais Grinch, le grincheux, qui habite quelque part au nord de Chouville, a pris en horreur cette fête. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, personne n'en connaît la raison. Peut-être que sa tête n'est pas bien vissée sur ses épaules. Peut-être que ses chaussures sont trop petites et lui compressent les orteils. Mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est que son cœur est deux fois trop petit. Bon, quelle qu'en soit la cause, son cœur ou ses chaussures, en cette veille de Noël, Grinch sent sa haine des habitants de Chouville l'envahir. Depuis sa caverne en haut de la colline, il contemple avec amertume les fenêtres éclairées qui donnent à la petite ville un air de fête. D'horribles grimaces transforment son visage. Il sait qu'en bas, les habitants décorent les maisons en chantonnant. Alors il grommelle. Demain c'est Noël, on y est presque. Il faut que je trouve un truc pour arrêter tout ça. Il sait bien que ce jour est le jour tant attendu. Toutes les filles et tous les garçons vont se réveiller très tôt et seront surexcités. Ils se précipiteront sur leurs cadeaux en poussant des cris de joie. Après ça, tous les habitants, les jeunes et les vieux, vont s'installer ensemble autour d'un grand festin. Ils vont engloutir des tonnes de nourriture. Ils vont se goinfrer de dinde farcie au marron et au lardon, de bûches de Noël à la crème, de chocolat, de cardons en gratin. Et tout cela, il ne le supporte plus. Et ce n'est pas tout, le pire arrive encore. Les petits et les grands, les maigres et les gros, tous vont se lever de table pour faire une chose plus abominable encore. Ils vont se rassembler sur la place du village au son des cloches du temple qui sonneront à toute volée. Et là, main dans la main, ils vont se mettre à chanter le même refrain en entrant dans le temple éclairé par des centaines de bougies. À l'intérieur du temple, ils vont encore chanter à cœur joie. Plus le Grinch y pense, moins il supporte cette perspective. Cela fait 53 ans que ça dure. C'est chaque année la même chose. Maintenant, c'est assez. Je dois trouver le moyen d'empêcher tout ça. Mais comment ? Et puis, l'idée est venue. Une idée diabolique. Une super idée diabolique. Le Grinch se déguise en Père Noël et appelle son chien Max une brave bête. Il attelle l'animal, un vieux traîneau tout cabossé, prend quelques sacs vides et se met en route vers Chouville au moment où les habitants ronflent paisiblement. Arrivant à la première maison sur place, le Grinch installe sans bruit son échelle, se hisse sur le toit, avance jusqu'à la cheminée. Il se laisse ensuite glisser le long du conduit, puis pointe son nez hors de la cheminée juste à la hauteur où les petites chaussettes des choux sont suspendues. Ces chaussettes à cadeaux seront les premières choses à disparaître, dit-il en les mettant dans son sac avec un plaisir non dissimulé. Le Grinch fait ensuite le tour du salon. Il jette dans son sac pêle-mêle tout ce qu'il trouve. Une paire de rollers, un ordinateur, une poupée, un tambour, une trottinette, un train électrique, des pop-corns, des petites souris en chocolat. Quand tous les sacs sont pleins, il les remonte un à un par la cheminée. Puis il se dirige vers le frigo et le vide à son tour de tout ce qu'il contenait pour la fête. La dinde avec ses marrons et ses lardons, les cardons et le fromage, la bûche, la mousse au chocolat, tout y passe. Il monte ce sac par la cheminée, ravi de ce qu'il vient de faire. Et maintenant, le sapin. Celui-là aussi va passer par la cheminée,
Le Grinch hisse alors le sapin dans la cheminée. Puis, pour finir en beauté, il emporte aussi la bûche posée sur les chenets. Quel besoin ont-ils d'allumer un feu ? De toute manière, il ne fait que 20 degrés au-dessous de zéro, se moque-t-il en s'en allant. Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chouville. Il ne laisse rien derrière lui, à peine une miette de biscuit pour les souris. Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait rappeler Noël de près ou de loin et repart sur son traîneau, tiré par son chien jusqu'au sommet du mont Crumpit pour jeter en bas du précipice tout son butin. Son énergie pour le soulever est décuplée par la perspective de voir bientôt le désespoir des gens de Chouville privés de Noël. Ils vont se réveiller et je sais exactement ce qui va se passer dès qu'ils connaîtront la terrible nouvelle. Cette année, il n'y aura pas de Noël, grogne de plaisir le Grinch. Ils vont rester bouche bée une minute ou deux, et puis ce sera une grande clameur de tristesse. Bouh ! Voilà ce que je me réjouis d'entendre, ce bruit-là, il me le faut. Il s'arrête un instant et tend l'oreille pour écouter. Il entend un son monter, étouffé par la neige qui continue de tomber. Faible au début, le bruit s'amplifie. Mais le bruit n'est pas une lamentation. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? On dirait que le son est joyeux. Ce n'est pas possible ! Mais ils sont joyeux, vraiment joyeux ! Le Grinch se penche pour voir ce qu'il se passe à Chouville. Il se frotte les yeux car il n'en croit pas ses oreilles. Et ce qu'il voit le fait trembler d'effroi. Quelle surprise ! Le choc est énorme. Les habitants de Chouville, petits et grands, maigres et gros, jeunes et vieux, tous sont là et ils chantent, sans aucun cadeau. Pour être raté, c'est vraiment raté. Le Grinch n'a pas réussi à arrêter Noël. Noël est bel et bien là. D'une manière ou d'une autre, Noël est arrivé toujours le même. Et le Grinch, les pieds à moitié gelés dans la neige, est complètement perturbé. Il reste là sans bouger. Comment est-ce possible ? Noël est là ? Comment a-t-il pu arriver sans sapin, sans ruban, sans guirlande, sans boule, sans cadeau, sans chaussettes, sans bon repas ? Et le Grinch tourne et retourne cette question dans sa tête pendant 3 heures sans trouver de réponse. À moins que, peut-être après tout, que Noël ne vient pas des magasins. Peut-être oui, peut-être que Noël c'est autre chose, quelque chose qui vient de plus loin. Peut-être que Noël est plus que tout ce commerce. Et alors ? Aujourd'hui, les habitants de Chouville racontent que ce jour-là, le cœur du Grinch a grandi de 3 tailles au moins. Et ils racontent que dès que son cœur eut assez de place pour battre au rythme de Noël, il redescendit du mont Crumpit avec son traîneau et tout son chargement, les cadeaux, les décorations et la nourriture pour la fête. Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue. C'est lui-même, le Grinch, qui découpa la dinde au marron et au lardon. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable, mangled up in tangled knots.